Salut à tous et bienvenue, c'est West Review. Petite prise en main rapide du Xiaomi Mi A2 Lite avec sa fameuse encoche de la Discord. Beau téléphone, franchement, une semaine que je l'ai, très bonne surprise. Un ratio qui est une prise en main qui est super agréable. Ça, il n'y a pas photo. Le déverrouillage par l'écran. Alors, on va commencer par le déverrouillage, hein. À chaque fois qu'on prend un téléphone en main, là il me reconnaît pas. Je me mets de l'autre côté de la caméra, clac, il m'a reconnu automatiquement. J'ai pas posé le doigt sur le lecteur d'empreinte digitale. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne à merveille. Le déverrouillage, c'est vu. Rien à dire sur le déverrouillage. On va commencer le tour de l'appareil. Donc, à un écran de 5,84 pouces Full HD, donc 1080. Alors, c'est Full HD plus 1080 2280 pixels avec une luminosité de 500 nits. Alors, il vous éclate un peu les yeux en pleine luminosité. Vous pourrez mettre deux cartes SIM, une carte SD en même temps. Bon point. Pour les abonnés free, il est full fréquence. Pour les abonnés free, il est full fréquence, sauf la 700. Donc la 700, les abonnés free ne pourront pas avoir la 700. Au dos, on retrouve un dos en aluminium, double objectif, on y reviendra après. Lecteur d'empreintes digitales, la marque Xiaomi avec le design by Xiaomi. Android One, c'est parce que c'est une version Android One. En dessous, deux grilles pour le micro, le haut-parleur ou vice-versa, un petit USB 2.0. On aurait préféré un petit USB type C. Sur la tranche de droite, volume plus, moins normal, bouton power on/off. Sur le haut, micro d'ambiance. Alors, ceci, c'est un capteur infrarouge pour servir de télécommande. Et ceci, les amis, c'est ce qui nous manque sur beaucoup de téléphones en 2018. Un bon vieux jack qui tient très bien. Le téléphone, dans la boîte, vous retrouverez les fascicules. Hein? Une coque de protection transparente, d'ailleurs, qui lui va comme un gant et qui empêche un tout petit peu, elle est un tout petit peu plus forte que l'appareil photo, ce qui fait que quand on le pose, ça va très bien. Et un chargeur secteur avec câble USB, ça vous êtes habitué comme dans tous les téléphones. Voilà. Le logiciel dedans, c'est Android One en Android 7 point, en 8.1, normalement. Donc, j'ai un correctif de sécurité à faire. Il me demande de faire le correctif. Le système, hop. MIA2 Lite. Mise à jour du système, je suis en Android. Et j'ai une mise à jour de sécurité qui doit être la mise à jour d'août. Donc voilà, ça au moins il est suivi, il y a des mises à jour. Le téléphone, la ROM, rien à dire. Pas de grosse extravagance dans la ROM, hein. Rien de spécial, la sécurité, les comptes, les services Mi. Hein. On a quand même les services Xiaomi. Dans le téléphone, petit aparté, un très bon tactile qui fonctionne à merveille. Une très bonne ergonomie. Là-dessus, il n'y a rien à dire. En photo, pour son prix, j'ai rien à dire non plus. Son poids, 178 grammes. Pareil, c'est nickel. Ses dimensions, 71 mm d'épaisseur. Bah, 1,7. Donc presque, on pourrait presque dire 72 par 145, 149. Un bon ratio. Donc l'écran occupe 84% de la surface globale du téléphone. On a une batterie de 3900 4000 mAh, 5 volts, 2 ampères, pas de recharge rapide. Dommage. J'aurais préféré une petite recharge rapide. À l'arrière, les appareils photo,
On se retrouve avec un 12 mégapixels à ouverture de 2.2 et un 5 mégapixels. Donc voilà, on a le mode portrait intelligent, le mode profondeur, aussi le mode bokeh, hein, comme on dirait. À l'avant, on a un 5 mégapixels avec une ouverture focale de 2.0 et une lentille grand angle à 70 degrés, 67 degrés 9, 68 degrés. Le Face Beauty 4.0, la reconnaissance faciale. Il est capable de filmer à l'avant en Full HD 720p 30 images secondes. Il dispose du HDR en façade, du HDR à l'arrière. À l'arrière, il est capable de filmer en Full HD 60 images secondes, stabilisé. On dispose de toutes les bandes GSM, les 4 bandes. La 2, la 3, la 5, la 8, les bandes 3G, donc la 1, la 2, la 5, la 8 aussi, et toutes les bandes 4G, sauf la 700, la B28, c'est-à-dire B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20. Touché, pas coulé, mais touché. Il nous manque la B28. En connexion Wi-Fi, on est en Wi-Fi AC, donc double Wi-Fi, 2,5 et 5 GHz. Par contre, le Bluetooth, mauvais point. Je disposais juste avant, je ne vous ai pas fait le test du Redmi Note 5 Pro, qui lui avait le Bluetooth 5.0. Il y a quand même une sacrée différence dans le Bluetooth 5.0. Et là, on est en Bluetooth 4.2. J'aurais préféré un petit Bluetooth 5.0, mais pour proposer des téléphones à 130, moi je l'ai payé 139 euros. C'est normal qu'il y ait des concessions à faire. Mais pour son prix, franchement. Je suis satisfait. Le GPS fonctionne très bien. Vous allez voir une prise de vue tout de suite. Voilà le GPS, alors y a rien à dire, hein. Dans les capteurs, on dispose de l'accéléromètre, de la boussole, du gyroscope, du capteur d'empreinte, du capteur infrarouge, du capteur de lumière d'ambiance, le capteur de proximité. Hein. Le capteur de proximité quand on est en appel, on dispose de tous les capteurs. Hein. Donc voilà. Donc ce que j'ai à voir moi, c'est la photo. Bah la photo, bonne surprise. On fait le tour rapidement. Ici. Je fais la mise au point sur le petit Son Goku. Ah, c'est propre, il y a de l'éclairage au bureau, mais c'est propre. Deuxième photo, je fais la mise au point sur le Iron Man là-bas. Et l'appareil photo fait bien le boulot, va bien faire la mise au point là-bas et ne la fait plus sur le Son Goku. Et les contours, c'est plutôt propre. Alors, voilà. En certaines situations, un peu de grain apparaît quand même, hein. Les détails viennent à manquer un peu. Certaines situations. Mais pas tout le temps, des fois il s'en sort bien, en bonne luminosité, il s'en sort plutôt bien. En très bonne luminosité, vous allez voir les photos qui vont apparaître. Hop, c'est plus facile à deux doigts. Bon, on n'a pas un appareil photo qui vous mettra à bas un S8 ou un S7. Ça, c'est sûr. On fera le comparatif. Mais pour le prix de 130, moi je l'ai payé, bah en France il va être plus cher, je crois qu'il va être à 229, j'ai pas le prix en tête. Mais en France, sur 182, 190, 190 en France, on dira, ça fait le boulot quoi. C'est un bon ratio, une bonne prise en main. Je vous mets les vidéos de la caméra faciale. Vous allez voir, je sais pas coiffé, c'est joli comme tout. Je vous mets la vidéo de la caméra de derrière, un peu voir si c'est stabilisé, etc. Salut à tous, on teste la caméra faciale du Mi A2.
On se met un petit peu en exposition. Super pas coiffé, hein, comme d'habitude. Hein. Ouais, bien éclairé, ça le fait. On essaie de bouger un peu la stabilisation. Ah, on a une mise au point quand même. Bon, pas mal pour une petite caméra faciale, ça a l'air plutôt propre. Voilà, vous l'avez vu, la vidéo parle d'elle-même. L'objectif fonctionne plutôt bien, que ce soit l'objectif avant ou l'objectif arrière. Il n'y a plutôt rien à dire. J'ai une bonne accroche réseau. Il est plutôt rapide et fluide. Le seul truc que moi j'aime pas trop dans la ROM, c'est qu'il ne se déverrouille pas automatiquement au visage. Il reconnaît le visage et après on ouvre. Alors, je vais le faire parce qu'il ne me voit pas. Voilà. Il reconnaît d'abord le visage, mais après il faut faire un swipe. Alors ma fille, c'est le téléphone à ma fille, et ben ma fille apprécie mieux que le Redmi Note 5 parce que le Redmi Note 5, des fois, elle voulait juste regarder l'heure et le truc il se déverrouillait. Donc elle me dit c'est mieux. Je te crois. Je te crois, fille. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On aurait préféré des bords un peu plus fins quand même. Hein, Xiaomi. Hein, on pourrait gagner un peu sur les bords. L'encoche, il y a un autre souci. On va aller sur YouTube. Voilà. Quand on est sur YouTube, on va mettre une pub. Non. On va en avoir une autre. Non. Quand on est sur YouTube, il se passe un problème, c'est que on a des bords arrondis là, mais des bords droits ici. Je trouve ça assez étrange. En son, c'est une tuerie. En qualité d'écran et en son, on a un écran Full HD et un haut-parleur. Franchement, il est super. Voilà, je crois que le son, ça parle de lui-même. Franchement, j'ai rien à dire sur ce téléphone. Le Redmi Note 5 Pro, je vous ai pas fait la vidéo, il était en anglais, c'était une version d'import. Je voyais pas l'intérêt de vous faire la vidéo du Redmi Note 5 Pro parce que il était en anglais. Et impossible de le mettre en français. Je sais pas, j'ai déverrouillé le bootloader et tout, mais pourtant, rien à faire. Mais celui-ci, on est un cran en dessous du Redmi Note 5 Pro. Un cran au-dessus au niveau du ratio, un cran en dessous au niveau de la photo, ça c'est sûr. Mais pour le rapport qualité-prix,
J'ai rien à dire. Le mien me revient à 100... 139 euros. J'ai pris 29 euros de frais de DHL quand même. De frais de... De frais de... Comment dire? De frais de taxes de douane. Hein. Je vous le cache pas. C'est pas forcément ce que j'apprécie le mieux, mais bon. Il me revient avec la livraison. Il me revient à 189 euros, je crois. Donc c'est le prix que vous le toucherez en France. Je vous conseille pas d'importer ce smartphone. Je vous conseille plutôt d'aller à la Fnac Darty, machin, et de rajouter 10 balles. Et vous aurez une garantie 2 ans constructeur. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très bon téléphone. Pour quelqu'un qui a un usage téléphonique, qui veut faire du mail, du surf. Alors les gros jeux, il va sortir les gros jeux, hein, avec son 636, Snapdragon 636. Il va sortir les gros jeux. Par contre, petite particularité pour les jeux. J'ai fait un petit AnTuTu, quand même. J'ai fait un petit AnTuTu et le score AnTuTu est de 79 440. C'est un score honorable, mais je me serais attendu à mieux. Dans le classement, on est. Dans le classement, on est loin. Très loin. Donc, on est bien sur un MIA2 Lite. On a un Adreno 506 dedans. Donc, ce qui commence à avoir bien marché pour les jeux. On a des cœurs A53. Snapdragon 625. La cadence maximum, c'est 2 GHz. 5,5 pouces. Alors là, c'est non, c'est faux. Comme quoi, AnTuTu, il est un peu à la rue des fois. Parce que là, on a. Voilà, on n'a pas que des cœurs A53 là-haut. On doit avoir du A72, je crois. Faudrait que je regarde sur la fiche technique. Je l'ai là-dessus, moi. Même pas. Même pas, même pas, même pas, même pas, même pas. Non, ils le disent même pas. Oh bah non. Aucune info sur le comment dire, processeur ou la cadence. Donc pour conclure avec ce MIA2 Lite, on va clore le débat. On aurait préféré quoi? Des bandes un tout petit peu moins larges sur le côté. Ça c'est sûr. Un type C et du Bluetooth 5.0 et un film. Un film, au moins un film de protection sur l'écran ou un verre trempé dans la boîte. Aucune protection pour l'écran. Hein. Et d'ailleurs, je n'ai aucune information aussi sur la glace de protection à l'avant. Je ne sais même pas si c'est du Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 4, Gorilla Glass 5, on ne sait pas du tout. Donc pour moi, c'est du Gorilla Glass 3 au moins minimum. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bonne surprise en photo. Hein, pour les bons points. Un bon ratio, une bonne prise en main. Franchement, si je vous le mets à côté de mon S7. Alors, le PPTV. Le PPTV, voilà. On voit tout de suite la différence. Le LG G Pro 2 qui avait un très bon ratio. Hein. Le LG G Pro 2, un très bon ratio en 6 pouces. Mais en 6 pouces, voilà. 5,8 contre 6 pouces, on voit tout de suite la différence. Hein. Si on les met l'un au-dessus de l'autre, il y en a un, on dirait une brique. Donc non, très bon ratio. L'encoche, ce que je regrette, c'est d'être en bord angulaire à là-haut à l'encoche, alors que ici on a des bords arrondis. Quand on regarde une vidéo, c'est un peu déstabilisant. L'encoche, moi je suis pas fan, personnellement, je préfère avoir deux petites bandes en haut et en bas, mais pas d'encoche. Mais ça, c'est un choix personnel. Il y en a qui aiment bien. La batterie, elle tient super bien. Je vous ferai les tests de batterie qui vont bien d'usage. Un score AnTuTu, j'aurais préféré un tout petit peu plus élevé. Le processeur, je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus véloce. Mais sinon, bonne surprise, bon volume sonore, bonne qualité audio d'enregistrement, bonne super super comment dire super rapport prix-qualité. Imbattable. Xiaomi, il tape très fort en ce moment. Je sais pas où ils s'en vont chercher, mais ils se font concurrence à eux-mêmes, et en plus de ça, ils arrivent à nous sortir des téléphones à râler pâquerettes. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Moi, je vous dis à une prochaine sur ma chaîne. Merci de suivre
de suivre la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. Et puis je vous dis, portez-vous bien. Salut à tous.